On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et cette fois nous allons découvrir ensemble la box Croctabox et c'est une box uniquement de bonbons. Voici donc la box que j'ai depuis super longtemps, je suis désolée j'ai pas du tout eu le temps de vous faire la vidéo avant ça. Et voilà comment elle se présente, je sais qu'il y a les mains habiles de bébé Ellie qui sont déjà passées dedans. Donc on va voir ensemble ce qu'il y a comme bonbons dedans. Allez viens. Tout d'abord, nous avons du Tang. Et ça, c'est très drôle, il y a un film français là-dessus. Je te dépose si tu veux. Elle est pourrie de sa voiture. Ferme un peu ta gueule aussi, tout. Non, mais des fois, il faut leur parler comme ça. Le Tang, en fait, c'est une poudre que vous mettez dans l'eau. Et ça, c'est du Tang orange. Donc, du coup, ça va vous faire une boisson à l'orange. Ensuite, il y a ça. C'est un Mammoth Bowl. Et moi, j'avais ça un Joe Breaker. Et il y a un film. Faudrait que je trouve un extrait de Jawbreaker. Our best friend is dead. Do you have any idea what that means? You were shown for prom queen? Et j'ai adoré ce film quand j'étais gamine. Oh, regarde, un Yes cacao. Alors ça c'est super bon, j'adore ça. Mais t'en as déjà mangé du chocolat là. Qu'est-ce que c'est que ça? Barcelona. Ikona maman. Maman Ikona. On va regarder, ouais, c'est du chocolat apparemment. Je sais pas si c'est pas genre une espèce de cigarette en chocolat ou un truc comme ça qu'on avait. Chocolat, maman. Je sais que j'avais ça, moi, des cigarettes en chocolat, j'adorais ça. Chocolat, maman. Ouais, c'est ça. Enfin, sauf que ça a plus la forme de cigarette et tout ça parce que c'était trop tendancieux, je pense. Mais ça reste des sticks en chocolat, quoi. C'est la même forme exactement que la cigarette en chocolat qu'on avait. Tu veux croquer dans le chocolat, chérie? Oui, chocolat. Il n'y a plus de place dans la carte mémoire, je vais lui faire de la place. Donc je vous disais, ça ce sont des petits bâtonnets avec de la poudre dedans. Et j'adore. Et il y a ça. Ça, c'est un truc que déjà j'adorais gamin. Et que là maintenant, j'imagine même pas ce qui va se passer dans ma bouche quand je vais le goûter. Donc je vais me le garder pour... Non, je peux pas l'ouvrir celui-là. Ça c'est pas pour toi, ça ça pique. Ensuite, il y a les loukoulous. J'adore ça, les sucettes comme ça, j'adore. Les colliers, j'adore. C'est un mix dextrose. Maman, le je sais pas ce que ça veut dire dextrose. Maman, le collier. Et le collier. Et parti. Ah, il y a des. Il y a quoi dedans? Sucette, collier et rouleau. C'est quoi les rouleaux? Ah, les petits rouleaux comme ça là. Ça, je vais en ouvrir un. Maman. Attends, je vais te montrer. Tu vas voir les bonbons que maman a mangé quand elle était petite. C'est dur, chérie. C'est ces petits rouleaux là. Maman, il est beau. Maman, il est beau. Va bien falloir brosser les dents après. Faut pas croquer, hein. Ensuite, il y a encore deux autres paquets. Dans celui-là, qu'est-ce qu'il y a? J'adore, franchement, ils sont trop bien leurs bonbons. Mais c'est ceux qui font la box des années 80 ou 90. J'adore ces bonbons là parce que comme vous le savez, la cerise c'est mon fruit préféré. Maman, ça j'adore ça. Maman. Ça je m'en rappelle aussi, c'est trop bien. Mais c'est vrai que des bonbons comme ça on n'en fait plus hein. Maintenant quand vous regardez... Oh là là, les sucettes Pierrot. Ah, c'est dommage, goût framboise. Bon, elles sont super bonnes, les sucettes Pierrot. Comme ça. Moi, j'ai acheté ça à la boulangerie. Et je prenais ça à la cerise parce que c'est vraiment mes favoris. Mais vraiment, mon goût favori, c'est ça. Ah, ça, c'est ça, je m'en rappelle. C'est pareil que l'autre, mais avec un truc genre. Bah, c'est un peu comme une sucette, mais en bâton. Et ça, ce truc, c'est absolument dégueulasse. Enfin. C'est absolument crade comme pas possible, c'est très très bon, hein. On adore ça, c'est hyper sucré. Mais c'est juste pas possible, ça c'est goût framboise, cassis framboise. Et en fait le problème de ces trucs là, non. Ces trucs là ça traînait dans les sacs et tout et c'était tout sale, tout crade, c'était horrible. Mais on adorait ça, je m'en rappelle très bien. Ouais, ça a toujours la même odeur, c'est drôle. Les têtes brûlées.
Qu'est-ce que j'ai pu en acheter des têtes brûlées? J'en ai d'ailleurs encore à la maison. Encore une autre. Que j'ai gardé du passage de l'or à la maison. Et ça, c'est une... Oh, c'est les sucettes qui sifflent. Maman, c'est trop bien. Maman. Ça, j'ai hâte de la ranger. Celle-ci, elle est à la fraise. Et regardez, un petit roudoudou. C'est trop bien, les roudoudous. Et enfin, le dernier paquet, je vous raconte pas, je suis comme une enfant. J'adore les bonbons que je trouve maintenant, c'est un truc de ouf. J'ai envie de tout manger. Bon, c'est pas du tout bien, j'ai décidé de commencer un régime, donc ce sera la fin de cette box, certainement. Il y a du bubble gum comme ça, mais ça, qu'est-ce que j'ai pu en manger aussi. Qu'est-ce que j'ai pu manger de chewing-gum comme ça, je trouve ça trop pratique. Oh là là, ça sent tellement bon. Mais c'était tellement galère à sortir. Et bien c'est toujours aussi galère à sortir. Donc faut vraiment en avoir envie. Et Liora, qu'est-ce que tu fais? Et il nous en reste encore quelques. Ah, le chewing-gum qui claque. Ah, c'est trop bien, un goût fraise. Ça j'ai jamais testé. J'ai trop hâte. C'est comme de la poudre et ça pète et après ça devient du chewing-gum. C'est chouette. Et enfin, il y a évidemment l'incontournable roll-up, donc le chewing-gum en rouleau. Alors ça c'est pareil, je sais pas, ça a bercé tout mon enfance. Il y a également le petit malabar, j'adorais ça les malabars. Loïs il supporte pas, la dernière fois j'en ai acheté, il supporte pas l'odeur. C'est vraiment le malabar à l'ancienne, hein. Avec le chat. Donc c'est un bigou citron fraise. Et enfin il y a cette petite chose que je connais pas, qui sont des boules magiques. Ah bah c'est un jawbreaker, mais des mini jawbreaker. Et celui-ci s'appelle bien jawbreaker, pas comme l'autre. Il s'appelle pas mammouth. Il s'appelle bien jawbreaker. Like me on Facebook. J'adore ce truc. J'ai trop envie de goûter, mais à mon avis j'en ai 3 heures à le manger. Donc c'est le genre de truc qu'il faut manger devant un film par exemple. Enfin tout ça pour vous dire que je crois que je suis pas la seule à avoir apprécié cette box. Merci chérie. Tu veux encore un petit bonbon? Oui, caca. On a fait avec un petit rouleau. Tiens chérie d'amour. Et ceux-là, ils ont des colorants d'origine naturelle, donc c'est plutôt... ça va. C'est pas trop grave. Je suis vraiment super contente. Merci beaucoup pour cette box qui est trop géniale. Je vous mets évidemment le lien en barre d'infos si ça vous intéresse pour vous la prendre. Je pense que ça peut faire même un cadeau sympa pour un anniversaire ou là pour la nouvelle année, fêter la nouvelle année entre amis, enfin j'en sais rien. Faites un peu comme vous voulez, moi j'adore ce type de box. Tu veux te brosser les dents chérie? Tiens, brosse-toi les dents. Ah, attends. Les dents ou les poules? Maman, on bouge aussi. Déjà du dentifrice sur la brosse à dents, c'est bizarre. Ah. En fait, je l'ai sniffé et j'ai sniffé toute la poudre du dentifrice qu'il y avait dessus. Ah. Et Yora, elle m'a volé mes bonbons. Viens là, petit monstre. Tu dis au revoir tout le monde. Merci d'avoir regardé la vidéo. Tu dis au revoir, chérie. Au revoir. I'm walking down the street just like I own it. I'm rolling to the beat just like I wrote it.